bonjour. Ah ben ça passe. Voilà, bienvenue. Ah, j'ai... Voilà, j'ai déjà quelqu'un qui est saisi derrière moi, c'est formidable. Voilà, alors bonjour à tous et à toutes. J'ai un petit problème parce qu'habituellement au baptême, c'est le parrain et la marraine qui portent le géant. Alors je ne sais pas, c'est le géant, la marraine. C'est vous la marraine? Oui, je... On peut faire comme si, hein. Non, mais enfin, il est quand même déjà imposant et il est magnifique surtout. Alors, c'est une belle occasion. Alors, on me l'a demandé, oui, il y a déjà presque un an, hein, je crois que... Oui, t'es Béatrice. Voilà. Ça fait bien un an qu'on s'est vu, que c'était en route. Il fallait absolument avoir... Enfin, c'était pour l'organisation, c'est une organisatrice de première. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut prendre pour une bénédiction d'un géant? Et puis je me suis dit, mais un géant, c'est une grande famille. C'est d'abord tous ceux qui l'ont conçu. C'est tous ceux qui le construit. Ce sont tous les porteurs et c'est la musique. Et donc je crois que la meilleure bénédiction, c'est de dire que à travers cette bénédiction, vous soyez tous bénis. Et il y a un texte qui vient naturellement et qui est pris très très souvent, que vous connaissez probablement. C'est un hymne à l'amour de Saint Paul. Et je crois certainement que quand on a construit, quand on a créé Jean, il a fallu de cet amour et de cette passion. Sinon, il n'aurait pas été là aujourd'hui. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il se réjouit dans ce qui est vrai. Eh bien, je crois que c'est vraiment avec beaucoup d'amour que vous avez porté Jean ici, avec une passion, c'est même plus que de l'amour. Et je souhaite vraiment que Jean soit pour vous celui qui rappelle qu'on est tous appelés à devenir vraiment une grande famille. Et qu'à travers toutes les sorties que vous pourrez faire, ben non seulement il va déjà attirer pas mal de regards, parce que c'est un grand séducteur, certainement parmi les géants, mais qu'à travers toutes les sorties, ce soit vraiment une occasion de joie pour vous tous. Seigneur, nous te prions maintenant de bénir Jean III de Trasny, de bénir ce géant et de bénir tous ceux et celles qui les portent aujourd'hui et qui le porteront un jour. De bénir tous ceux et celles qui ont permis à Jean de vivre, parce qu'un géant, c'est un être vivant pour nous. De bénir tous ceux et toutes celles qui lui permettront de donner beaucoup de joie, beaucoup de plaisir autour de lui. Jean, je te bénis maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Eh bien, je souhaite vraiment une belle route qui a déjà bien commencé. Et je crois vraiment que ça peut être magnifique. Une petite danse ne ferait pas de tort, peut-être maintenant. Je ne sais pas si... Ah, la fanfare boit.
bien. Ah, votre petite maison. Voilà. Merci. À ce moment-là, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Ah, merci. Alors, pour Noix 4, je voudrais également remercier Nicolas Lavigne. Donc, est-ce qu'on peut m'apporter son... Il se cache avec un verre. Il se cache derrière. C'est ça? Oui, c'était ça. Oh. Voilà. Nicolas, s'il te plaît. Et il faut savoir aussi que Nicolas a confectionné un sac. Merci à toi aussi. Bravo. Voilà, bravo Nicolas, merci. Le parrain et la marraine, Nadia et le marquis de Tragny. Voilà. Donc c'est aussi également offrir. Oui, voilà. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Parce que ce n'est pas arrivé à un tel résultat. C'est un peu grâce à vous aussi. Parce que vous êtes les bouches du géant. Nadia. Les bouches du géant, c'est quand même. Oui, oui. Ah, c'est Nadia. Nadia qui, je rappelle, est notre costumière et je crois qu'elle mérite tous vos applaudissements. Bravo. C'est une belle réussite. Il y a le Seigneur de Trazegny et alors il y avait le Seigneur aussi. Ils avaient chacun un hymne. Que même, actuellement, les deux hymnes sonnent dans les cloches à l'église aux heures. Les hymnes du Seigneur aussi, qui habitait rue du Pont-Mouchon, là-bas plus loin. Hein, et alors après, il y a aussi le Seigneur de Trazegny, qui habitait où c'est maintenant la brasserie. Et ils avaient chacun un hymne, qui sont même repris à la brasserie, et que les cloches sonnent toutes les heures, et la chorale, elle va chanter, c'est le premier hymne. Irchoué au cœur premier, Irchoué, c'est tant que vivre. Le Irchoué au cœur premier, c'est aussi. Et Irchoué, c'est tant que vive, donc c'est Trazegny. Et les cloches sonnent, ça aussi toutes les heures. Ding, 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 ding,